Oui, après je ferai un montage, comme je fais d'habitude. Hop. Aujourd'hui, j'ai mis ma pancarte à l'abri, il fait pas beau, mais le mauvais temps s'annonce pour tout le monde, donc il faudrait quand même qu'on soit un peu plus nombreux pour affronter ce qui nous attend. Voilà, je compte sur vous, merci. Tu veux dire un mot ? Ben oui, voilà, aujourd'hui, encore les gilets jaunes sont présents. Parce qu'en fait, c'est une cause qui doit être défendue autant que les restos, autant que les cinémas, autant que les restaurants. Et on est là pour défendre les causes qui nous semblent essentielles à nous. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors bonjour les gilets jaunes, vous voyez aujourd'hui ma pancarte, elle porte le deuil de toutes les violences, quelles qu'elles soient, je ne vais pas les nommer parce qu'elles sont trop nombreuses à énumérer, mais j'aimerais bien que ça s'arrête. Et je vous parle en tant que maman de policier, ça suffit, merci. Le panneau et le parapluie aussi, tu l'as fait ? Oui, je l'ai. Monte de l'autre côté aussi, l'autre côté c'est de ta pancarte. Oui, c'est pareil, mais... Voilà, quand ce chômage s'arrêtera, tout le monde sera content. Merci. Merci, Rosine. À samedi. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête du travail et nous avons beaucoup trop de chômeurs et beaucoup trop de gens sans travail. Donc, il faut que tout ça s'arrête et que tout reprenne son cours normalement. Et que je vous dis à bientôt. Merci. Alors, avec mes pancartes, je pense qu'il va falloir que je trouve une traduction parce que je crois que notre exécutif, il ne comprend pas le français et qu'il va finir par comprendre, mais d'une drôle de façon, parce qu'il y en a assez. Il faut qu'il réagisse. Il y en a marre. Marre et marre. Anticapitaliste. Merci, Rosy. D'accord. Bonjour. Un drapeau noir sur mes... pancarte, ça veut dire que c'est grave et on va les compter encore combien et combien. Il y en a assez, il faut absolument qu'ils fassent quelque chose. Voilà, je vous remercie.
Bonjour. Alors vous constatez que sur ma pancarte, il y a encore un drapeau noir. Parce que je suis vraiment dans la certitude que c'est pas fini. Et pourtant, ces violences, il faut qu'elles s'arrêtent. Et j'espère qu'un jour, il va sortir une personne d'un chapeau, je ne sais pas lequel, qui va avoir le courage d'agir et qu'enfin on puisse vivre en paix. Merci. Bon, moi ça me fait un peu peur la personne qui sort du chapeau. Hein. Très bien. Allez, le petit mot. Bon, ben, bonjour, je constate encore aujourd'hui que le nombre de gilets jaunes est très restreint. Mais je pense bien que d'ici quelques temps, vous allez tous réagir et qu'on pourra encore faire beaucoup de choses ensemble. Je compte sur vous. Merci. Allez, on l'espère tous, Rosie. Allez, à bientôt, à samedi prochain. Ça finit, je m'avance pour le petit mot. Alors, aujourd'hui, on est encore peu nombreux, mais j'espère que c'est que temporaire et que bientôt, avec tout ce qui se passe, on vous verra. Parce que là, ça commence à être bien difficile et bien compromis. Donc je compte sur vous, merci. La semaine prochaine, sans faute, on sera là, nombreux. Oui, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour encore de plus, 135. Mais on attend éventuellement d'autres personnes, peut-être même la grande manif, je ne sais pas. En tout cas, je l'espère. Voilà, merci. Merci, Rosie. Bonjour. Eh bien, voilà, je peux vous parler sans masque. C'est drôlement agréable, mais comme j'aimerais vous voir tous sans masque bientôt pour arriver à faire quelque chose, je le dis tout le temps, mais j'aimerais tant que nos manifestations recommencent et qu'on arrive à quelque chose. Voilà, par avance, merci. Merci Rosie. Petit mot ? Oui, rebonjour. Alors je constate. Vraiment, je suis désolée de voir que les gilets jaunes ne sont pas encore motivés. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quand même l'espoir. Vous voyez que je suis là quand même tous les samedis et que je compte bien sur vous. Merci. Merci Rosie. Bah, pour l'été, je crois que les gilets jaunes, on ne les verra pas trop. Hein. Bonjour tout le monde. Je croyais que mon appel la semaine dernière allait être entendu. Il y a encore du vent, mais je ne vois personne. Ou alors vous allez arriver plus tard, ça serait bien. On vous attend. Merci. On est là. Il y a un problème quand on est là. Pour le bien des travailleurs et pour le milieu. Oui, bonjour tout le monde. Vous savez qu'on va bientôt partir en vacances. Mais j'espère bien qu'à la rentrée, vous serez tous là. Merci. Au revoir. On attend, hein. Il y a tout le monde qui attend. La Terre ne veut pas brûler. Elle est résistante, cette planète. Ça a l'air pour l'instant. Mais on t'entendra. Voilà, on a tout ça, mais ici, on est bien. L'Océanie, c'est mieux. Ici, on est bien. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, 140, c'est un jour très important. Il y a beaucoup de personnes qui vont devoir prendre des décisions. Je les respecte tout à fait. Chacun a le choix à faire, sa responsabilité à prendre et à chacun sa liberté. Merci. Merci, au revoir. Hop. Voilà, super. Allez, Rosie. Alors aujourd'hui, bonjour les gilets jaunes. Eh bien écoutez, il va y avoir encore du mouvement. Les pour, les contre. Chacun va faire ce qu'il entend et comme il entend. Je respecte tout le monde, mais moi je suis vaccinée et ça c'est ma liberté. Merci. Merci Rosie. Tu veux dire un mot ? Oui, mais je suis là pour contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. Pour la vérité.
Alors ma pancarte aujourd'hui, elle voudra apporter un peu d'espoir, un peu, parce qu'en ce moment ça va très mal et on ne sait pas du tout comment les choses vont se terminer. Donc je vais faire aujourd'hui une partie de la manif pour montrer ma pancarte, pour essayer de pacifier un peu les choses. Et je voudrais que tout le monde enfin guérisse de cette épidémie qui nous pourrit la vie. Voilà, merci. Merci Rosie. Pour le petit mot. Bonjour les gilets jaunes. Aujourd'hui, ma pancarte, elle n'est pas très rigolote parce qu'en fait, la société est fracturée et je ne sais pas quand c'est que le chantier va être terminé. Il y a beaucoup trop de choses et beaucoup trop de problèmes. Donc, quand même, on va espérer. Merci. Et le petit mot. Et oui, les gilets jaunes, voilà, je vous dis qu'il faut se continuer à se battre, mais ça va être très difficile. Voilà, à bientôt. Allez, à bientôt, Rosie, à samedi prochain. Bonjour les gilets jaunes, ma pancarte elle dit une formule tellement merveilleuse tous ensemble. Pour l'instant je ne vois pas tous ensemble, mais j'ai bon espoir quand même. Donc je vous donne rendez-vous samedi prochain, nombreux, merci. Bon, pour aujourd'hui, je vais dire que chacun son choix, chacun sa liberté et le respect pour tout le monde, parce qu'il faut quand même se respecter les uns les autres et arriver ensemble à faire quelque chose de bien, et j'espère que ça sera bientôt. Merci. Merci Rosie, à samedi prochain. Oui, bonjour les gilets jaunes. Ben, ma pancarte aujourd'hui, ben, j'aimerais bien que tout le monde la respecte. Et j'espère bien que tout le monde va arriver à s'entendre, à faire les choses comme il faut, dans le calme, la paix, parce que là, on a besoin de se retrouver comme avant. Voilà, je vous remercie. Alors, bonjour les gilets jaunes. Est-ce qu'on va tous passer par la même porte? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, moi, j'aimerais bien qu'on se rassemble un peu plus nombreux chaque samedi pour arriver à nos fins. Je vous remercie. Au revoir. À samedi. Bonjour, et bien voilà, j'ai ressorti mon parapluie pour des manifestations qui j'espère porteront leurs fruits. Maintenant, j'en sais rien et j'espère, voilà. Les gilets jaunes, vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, mais on se retrouve samedi. Merci. À samedi. Voilà, aujourd'hui, et bien on va essayer de faire quelque chose, mais j'espère quand même que vous allez venir nombreux. Je compte sur vous. Merci. Hein? Que tu prennes d'abord, que je prenne d'abord mon dos. Ton dos d'abord. Attends. Quand tu as pris mon dos, ouais. On fait comme d'habitude. Ouais. Et je vais dire quelque chose. Ça va, ok. On n'est pas là pour rien. Alors, aujourd'hui, vous avez vu, j'ai customisé mon gilet jaune. Parce qu'en fait, les gilets jaunes, ils auraient dû être au salon des pompiers. Mais par rapport à Monsieur Macron, nous sommes impossibles d'y accéder. Maintenant, pour ma pancarte aussi, j'ai mis un petit drapeau jaune et rouge. Voilà. Drapeau jaune et rouge. Je voulais mettre les pompiers à l'honneur, parce qu'ils le méritent.
Voilà. Coucou, samedi 154. Écoutez, j'espère que nous aurons du monde aujourd'hui, parce qu'avec tout ce qui se passe, les gilets jaunes, il faut qu'ils se réveillent. Hein. Voilà, donc j'espère, j'attends, et que ma pancarte ne sera pas vaine. Voilà, parce qu'elle est semée de doutes et de déroutes, et de plein d'autres choses qu'on aurait bien envie de supprimer. Merci. Voilà, bonjour. Alors aujourd'hui on est sous la pluie. Je suis bien déçue parce qu'il y a beaucoup de gilets jaunes et d'autres personnes qui ne sont pas venues. Il leur en faut pas beaucoup pour se décourager. Voilà, moi je suis là et je suis en train de témoigner avec ma pancarte que l'atterrissage explosif risque d'arriver bientôt. Voilà, je vous remercie. Et coucou les gilets jaunes, aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil. J'aurais aimé tant vous voir tous en jaune aujourd'hui. Mais écoutez quand même. Le 19, vendredi 19 novembre, nous faisons une retraite au flambeau sur la Canebière. Ça serait super sympa si vous pouviez tous venir pour qu'on se montre et qu'on arrive enfin à se rassembler pour faire du bon travail. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à vendredi, c'est l'anniversaire. Et oui, qui est-ce qui va avoir sa surprise? Faut attendre encore un peu. 4 ou 5 mois, je ne sais pas exactement. Mais la surprise, elle va être bonne ou elle va être mauvaise? Bon, j'espère que d'ici là, les gilets jaunes vont se rassembler et qu'on pourra continuer notre lutte. Voilà, je vous dis à bientôt et merci. Merci Rosie. On n'attend rien d'un seul homme, hein. On attend du peuple. Oui, on voit parce que ma caméra, elle est oui, quand même... Oui, ça va ce qu'il faut ouais. Voilà, ben nous voilà. À la Canebière, au réformé, on fait donc cette descente au flambeau. On attend du monde, parce que pour le moment, il n'y en a pas de trop. Mais bon, de toute façon, on renouvelle demain, comme d'habitude, sous l'ombrière. Voilà, merci. Eh bien, à demain, Rosie. On est le meilleur, même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Là, on est là. On lâche rien! On pardonne pas! Vinet! On n'oublie pas! On pardonne pas! Vinet! On n'oublie pas! Tous ensemble! Bonjour les gilets jaunes. Eh bien hier soir on a fait une descente, ben c'était pas si mal, bien que j'aurais aimé beaucoup plus de monde, mais je sais qu'il y en a qui travaillent et qui ne peuvent pas venir. Donc aujourd'hui j'espère qu'on sera un peu plus nombreux, mais je pense toujours qu'on ne l'est pas assez. Voilà, donc il faut continuer à se battre, il ne faut pas attendre encore trop longtemps. Voilà, merci beaucoup. Merci Rosie.